Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Pathway. Dans cet épisode, on vient de traverser le... Je sais plus comment il dit, c'est un tunnel, je sais plus, la montagne. Bref, on a traversé la zone. Ils ont représenté l'accident de voiture? Je voulais voir. Non. Mal représenté. Et donc voilà, maintenant il faut qu'on aille là-bas. Alors moi j'ai 20 carburants, donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Easy la vie. Voilà. On va passer en haut pour récupérer un nouvel ami. Ce qui est très important. Oh bien que j'aurais dû aller chez un marchand. Ah oui, mais je vais être obligé de me taper un fight. Quelques chèvres maigres. Quand elles vous voient, les chèvres qui sommeillent, belle excitation et bondissent de leur sur leurs pattes. Quand les animaux comprennent que vous ne représentez aucune menace, ils retournent à leur repas. La bonne journée et dans la broussaille noueuse, on ne trouve ici que quelques arbres desséchés et des buissons noueux. Mais c'est parfait. Baston. Donc là, ça va être plus compliqué. Là ça va être plus compliqué. Ah, le jeu. Ah. Ah, un bunker sinistre. La puanteur de la mort pèse sur le vieux bunker. En explorant le bunker, votre sang se glace. Partout, vous regardez le sol est jonché d'entrailles et de cadavres mutilés. Soudain, une porte claque derrière vous. Vous vous retournez et vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans un piège. Alors maintenant, si même les zombies nazis se mettent à tendre des pièges, on est mal barré. Hein. Non, on est mal barré. Ou alors, on joue vraiment les héros les plus péraves du monde, quoi. Alors, c'est des personnages que tu prends que facilement tous les jours, quoi. Il faut croire. À ce qu'il paraît. Combien de zombies? Un zombie 2. Ah oui, donc c'est des zombies un peu plus balèzes. Et je ne vois qu'un seul zombar. Comment ça, il attaque en direct? Ah, il a une riposte, genre! Mais non. Mais non. Attends, j'ai vraiment le baron, il lui reste 4 PV! C'est mort. Celui-là aussi, c'est un crasher. Hein. C'est un infecté. Ouais, c'est ça, c'est des infectés tous les deux. C'est encore un crasher aussi. Oh mais c'est un infecté 2, c'est encore pire. Au secours. Il reste 11 PV. Eh ben... Niquez-vous bien. Ça explose.
Lui c'est juste un zombie 2, hein, donc normalement il y a moyen de le zombida tout seul quoi. Pas tombé, il lui reste 6 PV. Ma vie est dégueulasse. Ma vie est dégueulasse. Adieu. Bah merci vieux hein. Non, il a réussi son esquive. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Voir. Oui, bah écoute, bouge-toi là. Hein. Ah bah d'accord. J'ai trouvé le mec pestilentiel. 72%. Mais t'es naze en tir quoi, c'est une horreur. Normalement, tu peux le voir là. Yes. Et normalement, tu peux le shooter. Pourquoi tu peux pas? Mais non. Je peux pas tirer à cette distance, je suis un sac hein. Je suis un sac absolu hein. C'était super bien. Alors, on n'avait plus rien, on n'avait plus de PV, on n'avait plus rien. J'ai fait des choix de sac. Le jeu pouvait plus me saquer. Voilà, c'était compliqué. C'était compliqué, c'était compliqué. Et du coup, je me demande là comment ça se passe. Est-ce qu'il faut que je recommence toute la mission? Est-ce que je recommence là en fait? Et j'ai bien peur qu'il faille recommencer toute la mission. Vous avez fait de votre mieux. Voilà, espérons que quelqu'un d'autre pourra empêcher cela. Putain, élimination. Putain, par contre, on a liquidé du monde. Hein. On a liquidé quand même beaucoup de gens. Beaucoup de gens, beaucoup de gens. Retour au menu. Ouais, c'est vraiment les soins qui nous ont fait vraiment défaut à la fin. J'aurais jamais dû revendre mes soins. Et puis finalement, j'avais pas eu besoin d'acheter autant de gasoil que ça. Mais je ne pouvais pas le savoir. Voilà. Et ouais, les soins, en fait, on se passe chez un marchand, t'en trouves pas, quoi. C'est vraiment... Et donc là, si je fais entamer une nouvelle aventure. Si je sélectionne donc cette aventure-là. Déjà tous les trois ils sont plus dispo. Donc on est obligé de prendre des nouveaux. Brumilda, reine des Valkyries, lutteuse de foire islandaise. Combattante de mêlée, robuste protection lourde, réflexe désastreux, vise mal. Ouais mais t'es blindax. Toi tu balances des trucs très chelous. À 8 cases, précision 63. Valeur de critique, ok. 28-31. Expert en désintégrateur, des niches plus de carburant, lampe mauvaise réflexe. Spécialiste en armes polyvalent. Statistique basse, craint les morts vivants. Ah bah oui, donc on va pas trop pouvoir jouer. Prenons. Toi, et puis j'ai envie de prendre Brumilda. Ah bah non, mais de toute façon, il m'en faut que deux. Suis-je bait? Il m'en faut que deux. Oui, du coup, le sac à butin, bah il est mort. Hein. Il est poubelle. On repart avec vos matos tout pourris là. Ah, je peux claquer des thunes pour acheter plus de carburant dès le départ. Mais je vois pas l'intérêt en fait. Sinon je prenais directement des modificateurs dès le début. Enfin, je vois pas l'intérêt. Donc là je lance juste pour voir ce qu'on aura comme départ sur la prochaine vidéo. Soit on recommence la zone et là je vous le tourne d'affilée. Soit il faut tout recommencer et ce sera dans un prochain épisode dans ces cas-là.
J'ai bien l'impression que ce sera dans un prochain épisode. Ah, mais on voit, il y a carrément trois étapes là pour aller. Faut passer de Palestine en Syrie, de Syrie en Turquie, de Turquie, faut aller là. Non, mais elle est trop chaude ta mission. Ah, c'est ça. On recommence depuis le début. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah, l'autre, par contre, toujours là. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine. C'était Knarfanxur, comme d'habitude, gaming. Des bisous.